Bonjour à tous, aujourd'hui dans l'info en plus climat, je me balade dans la zone humide des Sayes, à l'île d'Abeau, en Isère. Ici, 1 000 d'arbres vont être abattus, mais c'est pour en replanter d'autres. On vous explique cette opération de renaturation. Alors Lisa-Marie Sicret, c'est vous qui gérez le projet pour la ville de l'île d'Abeau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord ce qu'est une zone humide ? Alors, une zone humide, par définition, c'est un espace, on va dire, de stockage des eaux qui permet en fait de réguler une trop grosse évacuation. Ce qui se faisait jusqu'à présent, on cherchait vraiment à échapper l'eau le plus rapidement possible. Et l'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de la retenir parce qu'on s'est rendu compte en fait de tous les avantages naturels que cela pouvait amener, que ce soit en termes de gestion des crues, que ce soit pour les inondations, que ce soit pour la dépollution, parce que c'est une grosse capacité de stockage aussi du carbone. Donc voilà, elle a plein d'avantages à essayer de retenir les eaux plutôt que de les évacuer. On a donc la bourbe qui passe juste derrière. Néanmoins, elle a été drainée voilà, avec des grands fossés dans le but effectivement économique d'avoir voilà, des enjeux agricoles, de la culture comme on peut voir derrière nous, de peupliers. Donc voilà, ça a été drainé très rapidement, mais c'est une zone humide limitrophe à un espace urbain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les travaux qui sont menés sur cette zone des Sayes ? En octobre 2023, l'objectif est donc la coupe de ces peupliers qui sont arrivés à maturité, donc c'est une culture qui est arrivée à maturité, et de pouvoir ensuite intégrer en plantation des baliveaux, on va dire, avec une... c'est des arbres qui ont une meilleure valeur environnementale parce que plus adaptés au milieu humide et qui vont donc amener plus de biodiversité, de niches, la faune qui va pouvoir être, revenir grâce à ces plantations. Est-ce qu'on sait combien d'arbres vont devoir être coupés précisément ou sont coupés? Alors on a une moyenne qui a été faite d'environ 1400 arbres qui seront donc qui est uniquement du peuplier de culture, et on replante exactement la même chose mais avec des essences diversifiées. On n'est pas sur du mono spécifique, on est vraiment sur des essences diversifiées et plus adaptées au milieu et plus pérennes également, parce qu'une culture de peuplier, on est sur des rotations d'environ 15 ans, alors que nous ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, c'est sanctuariser réellement une forêt alluviale, une forêt typique des zones humides. Avec cette renaturation, on se fixe des objectifs à 10, 15, 20 ans, voire même plus. On va dire jusqu'à 2027, on a vraiment un objectif d'amélioration et de suivi, avec des travaux qu'on va vraiment entamer dès 2024. Afin de bénéficier aussi de subventions, parce que ça a un tel intérêt que l'agence de l'eau subventionne les acteurs locaux pour ces projets. Donc jusqu'en 2024, on va avoir beaucoup de travaux, et après on a ce qu'on appelle du suivi et de l'amélioration au quotidien, avec des outils de mesure pour améliorer sans cesse en fait, le fonctionnement de ces zones. Loïc, avec votre association, vous apportez une aide technique sur ce projet de la zone humide des Sayes. Alors quel va être l'intérêt de couper ces peupliers ? Il faut avoir quelque chose en tête, c'est qu'une peupleraie, c'est une culture, donc c'est un peu comme un champ de maïs, donc c'est quelque chose qui d'abord va être monospécifique, on va avoir qu'une seule espèce et où tous les arbres vont avoir le même âge. Et le fait de pouvoir les couper et de favoriser l'installation d'un boisement naturel, ça va permettre d'avoir déjà une diversité d'espèces où chaque espèce va avoir des petites niches écologiques différentes. Donc il va y avoir des arbres qui vont créer des fruits charnus, d'autres qui vont créer des fruits à coque, et ce qui va permettre d'alimenter plein d'espèces faunistiques différentes. Et ça va permettre aussi d'avoir plein d'arbres d'âge différents et de tout le temps avoir des jeunes arbres, tout le temps des arbres vieux, des arbres morts, et donc de maximiser l'accueil de la biodiversité sur le site. Alors quel type de variété d'arbres il faut planter ? Ça va être par exemple du frêne, de l'aulne, donc c'est ce qu'on va appeler des saules, c'est en général ce qu'on appelle les bois tendres. Et ça va être un cortège avec plein d'arbres relativement hauts, de OG, et beaucoup aussi d'arbustes, donc ils font des végétations relativement denses, quoi. Donc là, ce que la commune essaye de faire, c'est de retrouver ce qui était initialement présent, Donc c'est d'avoir une nappe phréatique qui est plus haute et d'avoir des espèces qui sont vraiment adaptées aux zones humides parce que ça a plein d'avantages économiques et aussi écologiques. Et à ceux qui vous disent ah, mais il va y avoir des moustiques, c'est des zones un peu insalubres, c'est un petit peu l'image qu'on a des zones humides. Qu'est-ce qu'on répond à ça? C'est l'image qui était historiquement donnée. Après, dans les zones humides, il y a de la vie aquatique, il y a des chauves-souris, il y a un tas d'espèces qui vont venir consommer ces moustiques et toutes ces espèces qui sont un peu mal aimées. Donc il y a un équilibre qui se crée et on se retrouve avec pas plus de moustiques qu'ailleurs. Un projet de renaturation comme celui-ci, c'est beaucoup du fait de la main de l'homme en fait, qui décide aussi de reconstruire un petit peu les choses. L'objectif à travers les plantations, c'est finalement d'accélérer les processus naturels parce que c'est des choses qui sont très longues dans le temps et le fait de venir refaire des plantations, ça permet d'accélérer et donc d'avoir des pas de temps plus courts. En fait, c'est donner un coup de pouce à la nature. C'est ça, c'est donner un coup de pouce à la nature. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour l'Info en plus climat. En attendant, je vais passer un peu de bon temps au bord de l'eau.